qu'est-ce qui se passe au gouvernement ? En plus de faire travailler les gens 2 ans de plus, vous voulez faire sauter la banque. C'est ça votre objectif aussi ? Qu'un système, celui de la Banque de France, qui est certes un système particulier, un système qui est excédentaire, vous voulez le supprimer. Qu'est-ce que ça aurait pour conséquence ? On va faire un peu de comptabilité niveau 1, la base. Imaginons qu'on ait un régime qui est excédentaire. Vous voulez parce que les gens surcotisent en plus, cotisent davantage. Ça a été expliqué par les collègues précédents. Vous voulez le remettre dans le pot commun. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que du coup, c'est le régime général et l'État qui va devoir surcotiser à sa place. Donc ça va coûter plus cher que de laisser le régime en place tel qu'il est aujourd'hui. Alors que l'objectif, soi-disant, selon vous, c'est de faire des économies, de combler un trou. Ça n'a ni queue ni tête. Donc à la fin, la seule conclusion qu'il nous reste, c'est que vous êtes dogmatique. Vous voulez, de manière dogmatique, faire trimer tout le monde 2 ans de plus, y compris à la Banque de France, et pas seulement, puisque la liste est assez longue. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas une préférence pour la Banque de France, vous préférez peut-être les autres banques de ce pays, puisque vous voulez systématiquement qu'on continue d'emprunter sur les marchés financiers, qui nous cause quelques trous dans la raquette, dans le budget, qui ensuite pose des problèmes, comme vous le savez, que vous essayez de compenser en faisant trimer, encore une fois, les travailleurs de ce pays 2 ans de plus. Donc, je reprends. Ou alors, attendez, non, il y a peut-être une autre hypothèse. Ou vous êtes jaloux. C'est une autre hypothèse. Parce que comme eux savent gérer leur caisse de retraite et qu'elle est excédentaire, vous voulez la supprimer pour pas qu'on puisse avoir un point d'appui, un exemple pour dire que vous ne savez pas gérer, parce que comment ont-ils fait pour que cette caisse fonctionne ? Ils ont augmenté les cotisations, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les recettes. Non, mais je ne sais pas si c'est une trouvaille, mais en tout cas, ils sont vachement forts, ces banquiers. Peut-être que c'est parce qu'ils sont dans le service public. Merci.